Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chayin Orberman Fortune. Mazal Idida Betester Yaakov Nissim Ben Hana, Machlouf Micha Ben Masouda. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Ketut Perek. Hey, Mishnah Dalet. Chaticha Shel Chulin ve Chaticha Shel Kodesh, Achal Achat Me'en, Ven Yadoua Izomen Achal, Patour. Rabbi Akiva Mechayev Be Hacham Taloui. Achal et Ashnia, Mevi Hacham Vadai. Achal Echad et Alishona. Rabbi Shimon Omer, Shneem Meviim Hasham Echad. Rabbi Yossi Omer, En Shneem Meviim Hasham Echad. Mishnah, très simple. Première partie de la Mishnah, c'est une répétition de tout ce qu'on a étudié dans la Mishnah, de ce qu'on a étudié dans la Mishnah Bet. À savoir, en théorie, la Torah, elle a essentiellement parler du korban Hasham Taloui. Le korban Hasham Taloui, c'est un korban que l'on apporte en situation de doute. C'est-à-dire, lorsque j'ai transgressé une faute certaine, alors je vais apporter, selon le cas, je vais apporter un korban Khatat, ou un korban Hasham. On a 5 Hashamot, 5 Hashamot possibles sur 5 Averot, ou bien, d'accord, selon le cas, des fois il y a un korban Khatat, des fois un korban Hasham, des fois il n'y a rien. Lorsque j'ai un doute, est-ce que je dois apporter un korban khatat? La Torah a dit que tu apporteras un korban hasham taloui, dans le doute, dans cette situation de doute, où tu ne sais pas si tu as transgressé ou pas. Pour le moment, tu veux éviter des problèmes et d'avoir des épreuves, eh bien on pourra apporter un korban hasham taloui. Un hasham qui suspend pour le moment la sentence qu'on a sur la tête parce qu'on a transgressé une faute. Parce que si j'ai par exemple, j'ai transgressé Shabbat, en théorie, je dois apporter un korban khatat. Je ne sais plus est-ce que j'ai transgressé Shabbat. Si j'ai transgressé Shabbat, eh bien, dans le ciel, on est fâché contre moi. Et si on est fâché contre moi, ça, je risque, grâce au shalom, d'être exposé à des difficultés. Je veux me faire expier dans le doute, je peux apporter pour le moment un korban hasham taloui. Un hasham qui va suspendre pour le moment. C'est là que je vais réellement réaliser mon erreur, et dans ce cas-là, j'apporterai un korban khatat. Ok, ça c'était pour le korban Hasham Taloui classique. Il y a maintenant une discussion qu'on a vue dans la Mishnah Bet et qu'on revoit de nouveau ici. On la revoit parce que c'est une introduction pour la suite de la Mishnah. Alors, à savoir, lorsque j'ai transgressé un Safek Hasham Meilot. Meila, c'est le sacrilège. J'ai profité d'un bien qui appartenait au Bet Amigdash. D'accord? Et donc j'ai tiré profit. Je dois apporter un korban Hasham Meilot. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai tirer profit ou non, parce que je savais pas ce que c'est le morceau interdit. Par exemple, j'avais deux schnitzels devant moi. Un, je l'ai sanctifié au Beth Amikdash, je vais le faire cadeau trésorier du Beth Amikdash pour qu'il le vende et qu'il fasse remonter la valeur du schnitzel au Beth Amikdash. Et l'autre, c'était mon repas de midi, donc je ne l'ai pas sanctifié, bien sûr. Et puis, ils étaient les deux devant moi et j'ai pas fait attention, j'en ai mangé un des deux. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, est-ce que je pourrais apporter un korban Hasham Taloui ou pas? Est-ce que le Hasham Taloui, il a été dit spécialement, parce que tu as un doute d'un korban Khatat exclusivement? Ou bien même d'un korban Hasham, il y a sur ça une marloquette, comme on a vu dans la Mishnah Bet, et on traduit ça tout de suite. Khadicha shel chulin ve khadicha shel kodesh. Une part, un morceau de chulin, de viande qui est profane, et un morceau qui est kadosh. Achal achat men ven yadoua eizo men achal. Il a mangé une des deux, mais il ne sait pas laquelle des deux a-t-il mangé. Patour, il sera dispensé d'apporter un korban Hasham taloui pour le moment, dans le doute. Rabbi Akiva mechayev be Hasham taloui. Rabbi Akiva me dit non. Tu devrais quand même apporter un korban Hasham Taloui, parce que Rabbi Akiva, il pense que même lorsque, sur une faute sur laquelle on est passé d'un korban Hasham Vadaï, un Hasham certain, lorsqu'on est Bé-Mézid, lorsqu'on a certainement transgressé, eh bien, dans le doute, on apporte un korban Hasham Taloui. Ok, pour le moment, c'est très simple. Deuxième situation qui est encore très simple, c'est simple. J'étais tout seul chez moi à la maison, j'avais deux schnitzel, un qui était kadosh et l'autre qui n'était pas kadosh. J'en ai mangé un des deux, mais je ne sais plus lequel. Et puis le lendemain, de nouveau, je rentre un petit peu affamé à la maison, et j'ouvre le frigo, et je mange le deuxième schnitzel. Après, je réalise, c'est sûr que j'ai transgressé. Soit hier, soit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Alors sur ça, la Mishnah m'enseigne, Achal et Tachnia, si après coup, il a mangé le deuxième, et bien dans ce cas-là, mais via Hasham de Hasham Vadaï, il pourra apporter un korban Hasham Vadaï, un Hasham certain, de Hasham de Meilot, parce que là, de deux choses l'une, soit hier, soit aujourd'hui, tu as transgressé l'interdit qui est passible d'un korban Hasham Vadaï. Ok? Pour le moment, c'est simple. À partir de maintenant, le principe il va être très simple. On va découvrir une discussion que, si vous le comprenez bien, eh bien, vous n'aurez aucun mal ensuite à lire même tout seul si vous voulez. On le fera quand même pour
pour les prochains cours, mais c'est pas grave, de lire la Mishnah, et Ivav, et même Zayin, ça continue encore avec le même principe, exactement le même principe. Achal Echad et Arishona. Donc on a dit, je reprends le cas, on a deux cas de Shnitzel, on a deux morceaux de Shnitzel, un qui est Kadosh et l'autre qui n'est pas Kadosh. Achal Echad et Arishona, l'un il est venu, il a mangé le premier. Ou Ba'acher va Achal et Ashnia, et l'autre il est venu, il a mangé le deuxième. Donc quoi qu'il arrive, il y en a un de nous deux qui a transgressé la Avera. Mais chacun il a un doute, est-ce que c'est lui? Alors Rabbi Akiva nous propose, Zemevi Hasham Taloui, Zemevi Hasham Taloui. Chacun indépendamment pourra apporter un korban Hasham Taloui, un Hasham. Dans le doute, qui permet de suspendre pour le moment, eh bien, alors chacun il apportera pour le moment son korban Hasham Taloui. Ok? Divrei Rabbi Akiva, tel l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Shneem Mevim Hasham Echad. Rabbi Shimon, lui, dit, il n'est pas d'accord avec ça. D'une part, parce qu'il pense qu'on n'apporte pas un korban Hasham Taloui sur un Safek Meilot, Safek. Un doute, est-ce qu'on a transgressé un sacrilège, il pense à Rabbi Shimon qu'on n'apporte pas un korban Hasham Taloui. Mais cependant, il a quand même une autre solution. C'est qu'ils pourront apporter entre eux un Hasham Vadaï. Quel est le principe? C'est très simple. Il y avait les deux morceaux de. Les deux schnitzels qui étaient là. Moi j'en ai mangé un, et toi t'en as mangé un. De deux choses l'une. Soit moi, soit toi on a transgressé l'interdit. Donc soit toi, soit moi, on doit apporter un korban Hasham, et l'autre il est dispensé complètement. Chacun doit apporter korban Hasham, et l'autre. Payer bien sûr le prix du schnitzel au Beth Amikdash en rajoutant le cinquième, et apporter un korban Hasham Meilot. Alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon il a une solution simple. Au lieu que chacun il va apporter un korban Hasham et que ça va lui coûter cher, c'est bête. Au lieu que chacun il apporte un korban Hasham Taloui, faites quelque chose de plus racham. Dites ensemble que on va prendre un seul animal et on va payer une fois le capital en rajoutant le cinquième, et on pose la condition, on dit écoute, si c'est moi qui ai transgressé, tu me donnes ta part. Moi, j'apporte tout seul le korban Hasham Meilot, et moi je rembourse le fait que je l'ai mangé. D'accord? Et si toutefois c'est toi qui as transgressé, eh bien moi je te fais cadeau de ma part. Ça nous reviendra moins cher de procéder comme ça, et c'est en plus de ça, c'est mieux, parce que, en théorie, on ne peut pas apporter un korban Hasham Taloui selon Rabbi Shimon, alors que là, tu pourras apporter un korban Hasham Vadaï, c'est mieux, tu t'es expié ta vraie faute. Directement. Et on fait comme ça de deux choses l'une, ok? Rabbi aussi pense que, En Shnaim Mevi'im Hasham Echad. Il pense Rabbi aussi que deux personnes ne peuvent pas apporter un korban Hasham ensemble. C'est-à-dire, une notion qu'on va revoir, c'est de nouveau dans la prochaine Mishnayot, une notion qui est surtout dit dans le korban Khatat, en fait, dans la Torah, qui a marqué Ohoda Elav Khatato. Le principe pour apporter un korban, c'est que, enfin, j'illustre ça de manière simple. Shabbat est passé, Shabbat dernier. Je doute, est-ce que j'ai transgressé quelque chose ou j'ai pas transgressé. Des fois, ça me prend d'oublier, je me mets à essorer le torchon. D'accord, une fois que j'ai fini d'essuyer la table, j'essore le torchon, je transgresse l'interdit de mes rabaisse, plein de fois. Quand je le remplis d'eau, quand je le rince, quand je le frotte, je transgresse l'interdit de mes rabaisse. Je sais plus est-ce que la semaine dernière, j'ai transgressé ou non. En théorie, je peux pas porter un korban khatat parce que je suis pas sur mon coup. Imaginez que je tente ma chance. J'amène un korban au Beth Amikdash, je dis rien en kohanim, je leur dis oui, j'ai transgressé, alors que je ne suis pas sur mon coup. Et j'apporte le korban khatat. Et j'apportais le korban khatat sans être sûr d'être khayab d'un korban khatat. Après coup, en rentrant chez moi à la maison, d'un coup je vois le torchon posé là-bas, je dis oh là là, mais bien sûr je me rappelle, j'ai transgressé Shabbat. Shabbat, je l'avais essoré ce torchon. Alors maintenant. Est-ce que je me suis acquitté de mon korban khatat avec le korban que j'ai apporté alors que je ne savais pas? La réponse, elle est non. La Torah insistait « Oh, hoda, elav, khatato, asher, khata » Il faut prendre connaissance de la faute que l'on transgresse pour pouvoir se faire expier de sa faute. Et tant que je n'ai pas pris connaissance, eh bien, je suis dispensé pour le moment d'un korban khatat. C'est-à-dire que même si j'ai finalement apporté quand même le korban khatat, ce korban khatat, c'était du bluff, c'était du vent, ça a servi à rien. Mais ça n'a sûrement pas expié ma faute, et ma faute, je vais me le faire expier maintenant, parce que lorsque je prends connaissance, c'est maintenant que je deviens imposer du korban khatat. Même principe, selon Rabbi aussi, pour le korban Hasham. Tu dois réaliser ton erreur pour pouvoir apporter un korban. Or, lorsque vous êtes à deux, un a mangé un schnitzel permis, et l'autre a mangé le schnitzel kadosh, et vous ne savez pas qui a transgressé, ben personne n'a pris connaissance de son erreur. Personne n'a pris connaissance de son erreur, donc vous ne pouvez pas apporter pour le moment, vous n'êtes pas encore imposable du korban Hasham Vadaï.
Tel est l'avis de Rabbi aussi. Tandis que Rabbi Asher, Rabbi Shimon pense que le fait d'avoir un doute, est-ce qu'on a transgressé, c'est déjà pris, c'est déjà considéré comme une yédia suffisante. Et on verra dans les prochaines Mishnayot que c'est même pour les Khataot qu'il y aura ce principe selon Rabbi Shimon, comme ce qu'on verra. Une petite précision quand même pour Rabbi Akiva, que... Ah, Rabbi Akiva, lui, nous a proposé, il a dit que chacun doit apporter un korban Hashem Taloui. Bon, le Menachat Shlomo, il rapporte deux éventualités. Comment, qu'est-ce qui... Est-ce que Rabbi Akiva, il impose à chacun d'apporter un Hashem Taloui et il ne donne pas la possibilité qu'ils apportent en association ou non? Et sur ça, il rapporte deux avis, deux éventualités, enfin, c'est dans les Mosekhalites, dans les Mefarshim de la Mishnah, ils expliquent. Tachlès, le Menachat Shlomo pense que, selon Rabbi Akiva, on peut aussi décider d'apporter un korban Hacham, Vadaï, ensemble. C'est juste que c'est assez astreignant. Apporter ensemble, ça signifie qu'on se rencontre tous les deux et qu'on apporte ensemble. Or, qu'est-ce que je fais si, une fois qu'il a mangé le bout de le schnitzel, il est parti en Khutzlaretz? Et puis moi, pendant ce temps, j'ai sûrement pas envie de rester avec ce doute. Est-ce que j'ai transgressé? J'ai envie de me faire expier ma faute, même dans le doute. Alors, Rabbi Akiva va me dire, mais tu sais quoi, tu peux apporter aussi un korban Hacham Taloui. D'accord? C'est-à-dire, s'il est là, vous voulez faire la solution d'apporter en association, apporter, ça marche. S'il n'est pas là, tu pourras quand même apporter le korban à Hacham Taloui si tu veux tout seul. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.